Je voudrais rendre témoignage ce matin pour la gloire de Jésus, vraiment, parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est immense. Quand je parle, même j'en tremble, parce que j'ai rencontré le frère Georges dans un ramassage. Il m'a pris les cartons pour la première fois. Je ne savais pas qu'il était chrétien. La deuxième fois, ils sont venus avec le frère Jordan. Ramassage faisant, j'avais un frère aussi qui avait un carton. Et il dit au frère Georges, j'ai un cancer. Le frère Georges dit, mais attends, si tu as un cancer, nous on peut prier pour toi. C'est comme ça qu'ils ont déposé les cartons avec le frère Jordan. Nous avons prié. Prière faisant, il me dit, mais la soeur, tu pries bien. Je dis, oui, je suis chrétienne. Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas à l'assemblée? Pourquoi tu ne viens pas parmi tes frères? Nous avons un petit groupe. Il faut venir. On appelle ça l'église à la maison. Parce que nous n'avons pas de chapelle, mais nous allons à l'église à la maison. Je lui dis, mais je cherche même depuis. J'ai une cellule au pays là-bas. Et depuis que je suis arrivée ici, je ne prie pas. Je prie seule dans ma chambre, mais je n'ai pas des frères avec qui je peux prier. C'est comme ça que je suis venue parmi mes frères. Et quand j'ai commencé à prier avec vous, il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées dans ma vie. Tout était bloqué, la santé de l'enfant était bloquée, mais je n'arrivais pas à avoir un rendez-vous à la préfecture. Tout était noir pour moi. Mais au bout d'un mois, et demi, le boulevard s'est ouvert pour moi. Tout a commencé à se manifester dans ma vie. Oh, les médecins ont trouvé une date pour l'opération de l'enfant. La prothèse était déjà là. Tout était déjà là. À la préfecture, j'ai eu un rendez-vous. C'est même dans cette maison. Un jour, quand je suis venue rendre visite à la sœur, que mon téléphone a sonné, c'est la préfecture qui m'appelait. Venez demain, est-ce que vous pouvez venir demain, prévoyez tant, l'OFI vous a donné tel nombre de jours, venez pour votre titre de séjour. J'ai dit, mais Seigneur, mais après, j'avais des persécutions au pays, je suis militaire de formation, je me suis retrouvée en France, j'ai fait 10 mois en France, ils m'ont coupé le salaire, ils m'ont traduit au tribunal militaire. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre moi. Ils ont annulé un galon que je devais porter l'année où j'étais ici en France. Et tous savaient que je devais aller faire la prison. J'ai prié ici avec vous. J'étais malade. Les sœurs m'ont rendu visite. J'ai été fortifiée ici. Et tout, je me suis sentie en famille. Le frère Georges a trouvé une famille d'accueil pour ma fille. La sœur Marie a pris ma fille en main. Vous voyez comment elle est bien gardée, bien entretenue. Vraiment, je suis arrivée au Cameroun un samedi, le lundi matin, j'ai porté ma tenue et je suis allée dans les rangs. Tout le monde chuchotait, elle est arrivée, il faut appeler la gendarmerie, il faut. J'étais là, zen. Il a dit, Seigneur, me voici, qu'il fasse de moi tout ce qu'il veut. Après le grand rassemblement, je vois mon commandant de compagnie s'approche de moi. Vraiment, sois la bienvenue. On ne pensait pas que tu allais rentrer. Il faut qu'on te fasse un message de retour de désertion. Il faut qu'on te fasse ceci. Il faut que le temps a changé. J'ai dit, Seigneur, tout est grâce. Je suis rentrée ce jour. Le deuxième jour, je suis revenue au travail. Et j'ai vu la semaine s'est écoulée. Pas de gendarmerie, pas de ceci, pas de cela. J'ai dit, mon Dieu. Après, j'avais des convocations qu'il fallait répondre. J'ai commencé à faire des voyages, je suis en ligne. Quand j'étais ici, j'avais écrit au ministre pour ma situation avec l'enfant. Ils ont pris, ils se sont assis dessus. La deuxième semaine, j'ai un colonel qui m'appelle. Il me dit, tout ce que tu traverses là, est-ce que tu ne peux pas aller voir tel à Yaoundé? Je dis, je ne le connais pas. Il dit, mais c'est un chrétien comme toi, il est adventiste. C'est un colonel, il est adventiste. Je vais donner son nom ici, le colonel Messi. Oui, il est adventiste, un chrétien. Il ne va pas te demander de l'argent. Va le voir. Prends le dossier de l'enfant. Il est à côté du ministre. Il va saisir le ministre avec ton problème. C'est comme ça que je porte dans la pile du dossier de l'enfant. Je descends sur Yaoundé. J'arrive. Je le rencontre. Déjà avant de partir de Douala, il m'a donné son numéro. Je lui ai demandé audience. Il a accepté de me recevoir. Je suis partie. Quand j'arrive, il me reçoit. Il me dit, je ne décide pas.
je vais aller rencontrer le ministre. Ton problème. Va rendre et prie. Voilà ce qu'il m'a dit. Et avant de partir, il m'a appelé dans sa salle d'audience. Il a fermé la porte. On a prié, ce frère et moi. Et après la prière, il a ouvert sa veste. Il a pris un billet de 10 000 francs. Il m'a dit, paye le transport. Rentre sur Douala et va prier. C'est comme ça que je suis rentrée sur Douala. Un mois plus tard, la nomination est sortie. Je suis affectée à l'ambassade du Cameroun à Paris comme chef bureau administratif. Gloire à Dieu! Je suis la présidente.